Eh bien yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et ben aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben aujourd'hui on va visiter les deux bâtiments que j'ai construits sur Minecraft pour notre mini-ville. Donc j'ai commencé à construire deux bâtiments pour notre mini-ville. Et puis à chaque fois qu'on construira une chose dans la ville, je ferai un épisode sur cette ville. Donc n'hésitez pas à me dire si cette petite série va vous plaire ou pas. Donc je vous dis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et je vous laisse avec la suite de la visite. Let's go! Alors tout d'abord, nous avons une pharmacie avec un joli parking. Voilà, avec des petites voitures électriques. Elles sont très pratiques, hein. Voilà, on peut rentrer dedans, les conduire. Elles sont bien garées. Les logos pharmacie avec l'entrée vert. Donc un rat, ça n'a rien à faire dans une pharmacie. Hop. Avec une cage avec des cartons. Voilà, on va peut-être en mettre une autre là. Ensuite, avec un photocopieur pour faire des copies. Des petits casiers, une petite caisse, un petit téléphone. Et regardez ce que je trouve trop bien. Regardez, ça commence, c'est trop réaliste. Vous trouvez pas? Moi, je trouve c'est trop réaliste. Ensuite, des petits tiroirs avec une panière pour les gens qui se servent des médicaments qu'ils ont besoin sur les petites étagères. Là, j'ai mis ça pour faire un peu sa coupe. Voilà. Là, il y a les sachets, il y a les commandes que les gens nous ont fait sur leur smartphone. Là, il y a encore des médicaments, des cagettes, une araignée. Ensuite, on arrive à la salle pour se laver les mains avec les blouses, les serviettes et le robinet, les petites étagères. Ensuite, on arrive à la salle d'opération. Alors, pour la salle d'opération, j'ai mis un petit frigo pour remettre les vaccins. Tout ce qui endort, voilà, tous les produits. Un petit chariot avec les outils de chirurgie. Pour voir si le patient va bien. Un tableau de contrôle aussi. Là, un autre tableau de contrôle. Les outils de scalpel, une balance pour peser les médicaments. Des petites étagères, voilà, avec des petits casiers. Et puis le rangement pour l'opération. Voilà. Voilà de ce qui se passe de la salle de l'hôpital. Donc pour moi, cette petite pharmacie, elle est... Pour moi, je la trouve très belle. Elle est assez moderne, il n'y a pas trop de trucs. Donc ensuite, sur la route, ça continue. Là, vous voyez un petit bâtiment derrière ces petits sapins. Voilà. Ensuite, bah là, on arrive dans le garage. Tu n'as pas été invité, toi. Dans le garage, avec une petite voiture électrique, un kart et le pont pour que on puisse réparer dessous la voiture. Donc on descend par là, tac, et ensuite on peut réparer le dessous de la voiture, ce qui est pas mal. Ensuite nous avons des plots, voilà, des bidons, voilà des bidons d'essence, tout ça, l'établi où il y a tous les outils à l'intérieur où on peut crafter tous les véhicules qu'il y a. C'est super, il y a beaucoup beaucoup de véhicules. Franchement, ils sont super. Ensuite, là, on a un piston qui lève les voitures et les motos. Et les mélangeurs pour faire de l'essence. Voilà, le combustible, les essences. Ça. Et puis là, le poste à essence de Filenium. Filium. On va appeler ça comme ça. Donc voilà. Donc, avec des petits lampadaires. Voilà. Le toit est comme ça. Pour avoir un maximum de lumière à l'intérieur du garage. Regardez. On a quand même pas mal de lumière qui vient d'en haut. Par là, 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 là. C'est pas mal. Du coup, là-bas, pour le premier épisode, je vous ai montré ce que j'ai construit et on va améliorer un peu les devants pour que ça fasse un peu plus joli. Voilà. Donc, on va prendre des petites fleurs. On trouve.
On va essayer de trouver des trucs assez sympas pour faire des barrières. Lanterne, ça peut faire assez joli. Je trouve ces barrières, elles vont bien aller avec le garage. Les mobs, ils arrivent. Voilà, les monstres, ils m'énervent. Voilà. Tac. Alors, on va faire une petite clôture. Et on va mettre, moi je sais pas. Une petite plante rouge. Ça fait joli. Et on va mettre une petite lanterne. Non, ça fait pas très beau. Quoique si j'en mets une là. Et une là. Là, on l'a mis où? Par contre, il faut faire gaffe aux lampadaires, parce qu'après ils vont prendre feu. Alors, on va mettre des petites plantes. Voilà. Ça fait assez mims. Tac. Là, c'est l'entrée du garage. Est-ce qu'on peut faire un truc qui m'avait l'air stylé? Je viens tout de suite d'y penser. Ah ouais, c'est plus stylé comme ça. Et si on fait ça, ça fait un rond, non? Ça sera pas mal pour faire des choses. Bah moi je trouve le garage il est pas mal là. Là aussi il faut qu'on améliore un peu. On va améliorer la pharmacie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme plante? Des petites fleurs comme ça, des fougères. Allez, pars! Les chiens, ils sont pénibles. Tac, alors, mettre des petites fleurs. Les fougères. Des petites fleurs. Ça fait mignon. Ensuite, mais ils sont pénibles ces animaux. Hop, je me déguisais en araignée.
Je me suis tombé de touche. F5. C'est pas normal que je ne... Ah. Je peux grimper sur les murs. Petite araignée. Hop, on a bien décoré. Et dans l'épisode 2, on construira, je ne sais pas encore, peut-être une mairie. On va mettre une borne à incendie. Oui, il nous faut un cadre. Ils sont où les cadres? On va en mettre un à côté du garage, c'est quand même important. On peut pas les mettre par terre, les cadres. Depuis quand? Bon, on va pas en mettre. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre qui est stylé? Ah oui, j'avais oublié, il y avait des meubles là. Ils sont quand même beaux, ces meubles. Là, il y a des tables. On verra quand on fera les aménagements des maisons. Distributeur automatique. C'est pas mal. Donc moi les gars, je vais vous dire, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à plus pour l'épisode 2 de l'aménagement de cette petite ville. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça ferait toujours plaisir. Merci pour de prochaines vidéos.